le courage. C'est sans doute ce qui manque le plus aux chrétiens d'aujourd'hui. Le courage, c'est la persévérance dans l'épreuve, la volonté de surmonter les difficultés, la confiance face à l'adversité. Être courageux, c'est marcher droit dans la tempête, ne pas abandonner, ne pas reculer. Aujourd'hui, nos décideurs politiques, comme beaucoup de hauts dignitaires ecclésiastiques, cèdent à la peur. Peur des médias, de l'opinion, des censeurs, des puissants. Être courageux, ce n'est pas mépriser les risques réels, mais c'est faire ce que l'on doit, ce que la vérité et le bien nous commandent. N'ayez pas peur. On relève 365 fois cette injonction dans la Bible. La foi doit t'aider à être courageux. Qu'as-tu à craindre de ceux qui peuvent tuer le corps sans jamais tuer l'âme? Dieu veille sur toi. Sois ce que tu dois être ici et maintenant. Assume ta foi et ton idéal dans la cité. Si tu dois être persécuté, n'aie crainte. Notre Maître, le Christ, nous a montré la voie.